Et Freddy pense, c'est Tiffany Zena, Tiffany Mesh, Sabrina Meba et Lucie c'est Lucifer, comme Frédéric c'est Lucifer. Ensuite ils tapent sur une nouvelle chaîne, le clown, et les policiers disant Satan c'est le procureur qui travaille avec l'extrême droite et l'extrême gauche. Frédéric écrit sur Facebook, le Front National c'est des nazis, et ensuite dit encore, vous avez tort de leur faire confiance. Ensuite Frédéric va sur internet pour chercher les informations sous forme de test. Il tombe sur la peste et la presse du gouvernement où l'UMP et le socialiste disent que le FN va le payer cher. Une fille sur Facebook me répond, si elle veut, elle peut porter plainte pour diffamation. Ma réponse, on peut pas dire tout et n'importe quoi sur internet. Frédéric délirait quand il a dit ces mots-là. Il était persécuté, il ne demande pas pardon, mais il s'excuse. Au moment de passer au dessert, Frédéric ne veut pas manger la pomme d'amour en disant on reste coincé dans l'espace-temps, je me repens d'avoir créé l'homme, je ferai pas le péché de croquer la pomme, j'en ai gros sur la banane, j'en ai haut la pastèque, j'ai une tête de melon, la vie est créée d'un rêve et d'un cauchemar. Et les rêves et les cauchemars sont créés de la vie. Je suis dans le rêve et le rêve est en moi. Ensuite, son père Bernard, tu veux me venir me voir au Gros du Roi? Demande 400 euros à ta tutelle pour que je vienne te chercher. Frédéric prie Dieu pour que celui-ci lui donne 400 euros. Pour son père, ensuite Frédéric va sur Facebook. Son père dit à la sœur de Frédéric, je t'ai envoyé un chèque pour la villa au bord de mer. Jupiter, 1er février 2018. Son père vient chercher Frédéric. Il l'emmène à Saint-Paul-Croix-Château chez sa grand-mère. Jeanne d'Arc Mèche, il était invité à manger, la grand-mère me donne 5 euros, ensuite on va au Gros du Roi, pas avec la Sainte Paul, mon père me paye le manège, on a le droit à une photo, mon père sort le papier de réduction, ensuite mon père va chez son copain, chéri, l'aise de Céline Félix. Miaou! Ensuite, on mange une pizza chez eux. Ensuite, la fille de Céline doit aller se coucher pour aller dormir. Céline, mon père et moi, on part à pied. Ensuite, la fille dit à son père, je vais dire ce que tu m'a fait. Et mon père répond à Céline, fais attention qu'il n'ait pas touché ta fille. Et moi je pense à la chanson Tout va bien petite. Je pense qu'il ne faut pas tout grammatiser. Enfant, parfois on grammatise des choses tout simples. Ensuite, Frédéric va à Buis les baronnies pour les 40 ans de la page et pas à la de la feuille. Il y a le journaliste de France 2 et le canard enchaîné qui est le parrain de l'association La Page. Il a tourné la page de France Télévisions. C'est le défilé de La Page. Ma sœur et son copain sont venus pour voir Frédéric à la fête.
Nabi se moque de Frédéric. Nabi dit un, deux, croix. Et après croix, il y a quoi? Frédéric répond, quatre. Nabi dit, répète après moi. Croissante crainte croix. Et Frédéric répond, croissante crainte croix. Et le père de Nabil est prince à la marine. Et Frédéric pense, et comment va Obama? Frédéric dit, chouchou, gadémalette. Junon, 8 février 2018. Frédéric voit un homme qui ressemble à Jean-Marie Le Pen. Et Frédéric dit à Lady Cacris, qu'est-ce qui fait Jean-Marie Le Pen à la page? Lady Cacris dit, c'est juste quelqu'un qui lui ressemble. Frédéric arrive à Grand-Vivarais, à l'hôpital psychiatrique dehors. Il y a un camion garé en creux, l'hôpital et le portail. Et un pote lave les hirondelles. Le médecin ressemble à Jean-Marie Le Pen. Avec des médecins comme ça, et pas besoin du serment d'Hippocrate, ça te contamine direct. Et on dit que j'ai un debout dans ce sketch avec Jean-Marie Le Pen. C'est la fin du monde, la Troisième Guerre mondiale. Mais s'il y aurait la Troisième Guerre mondiale, il y aurait l'islam de France aussi, hein.